Bonsoir tout le monde, je reviens avec cette vidéo pour vous faire un petit ou un grand, comme vous voulez, Share the Love, donc, qui consiste à faire de la pub, de publier son amour pour, enfin, de faire de la pub pour les personnes qu'on apprécie sur YouTube ou après ça peut être des personnes qui sont sur Facebook et tout. Donc, je vais commencer par... Il n'y a pas d'ordre, hein, à part la première. Après les autres, il n'y a pas d'ordre, parce que je vous voue tous mon amitié et un amour fou. La number one est Ninouquette75, donc ma sœur, ma chère et tendre sœur, attention, qui est encore en live sur MSN. Un petit coucou, ma sœur. Avec le petit ça. Coucou. Bref, passons. Ensuite, il y a ma chère et adorée et superbe, drôle, rigolette, marrante, Émilie3486, qui me fait beaucoup rire, que j'aime beaucoup, qui m'a également soutenue et défendue quand j'ai eu ma petite période... La période par rapport à la vidéo concours, que je m'étais fait insulter et tout. Ça suffit. Ensuite, donc je te remercie ma mère, je te fais plein de bisous, puis voilà. Ensuite, il y a Coco Bohème 1, qui est aussi que j'adore aussi. J'aime bien regarder ses vidéos. J'ai ma soeur qui me fait rire en même temps. Oh, ça suffit. Oui, Coco Bohème, je te fais plein de bisous également. Et petite pub pour toi aussi. Ensuite, il y a Tite Lyon 666. Petite brune, toujours habillée en noir, qui est très jolie, mignonne, que j'adore aussi. Que j'aime bien regarder ses vidéos aussi. Et un petit garçon, il me semble, ouais. Voilà, un garçon. Non, elle a pas d'enfant. Si, elle a un enfant. C'est Tite Lyon 666, tu peux parler, hein. Oui, elle a un petit garçon. Rectification. Non, c'est bon, tout est bon. Ouais. Et oui, Émilie3490 aussi, elle a un petit garçon qui s'appelle Mathéo. Coucou. Et puis... Ensuite, il y a Sarah Forsam. Eh oui, j'arrive à le prononcer. Un petit moment où je disais Sarah Fornam, mais non, c'est Sarah Forsam, qui j'adore aussi. Je trouve jolie, que j'encourage dans son régime. Et puis, petite Lyon aussi, 666, qui fait un régime, j'encourage aussi. Elle fait plein de bisous, les filles aussi. Ensuite, il y a. Depuis plus d'un an maintenant, ma DJ adorée, que je suis toujours, la belge. Voilà. Ensuite, il y a Lisandre Nadeau qui vient du Canada, que j'aime aussi beaucoup, malgré qu'elle ne fait pas de vidéos en maquillage, mais elle fait plutôt des petits courts-métrages. Des scènes avec ses amis, tout ça, j'aime beaucoup, elle est très expressive. Dernièrement, elle a fait une vidéo qui était franchement très, très belle, j'ai trouvé très jolie, je l'ai regardée beaucoup de fois. Je sais plus c'est quoi le titre. En fait, elle montre des images d'elle et elle raconte quelque chose en fait. Enfin, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si j'ai l'occasion de le mettre. Ensuite, il y a des personnes sur Facebook, elles ont une chaîne sur YouTube aussi, mais je les ai connues avant sur Facebook. Donc il y a Sierra Dolls Makeup et Nargis Soft Lady. Et il y en a d'autres, mais je ne sais plus c'est quoi les noms. Je crois qu'il y a Nano Makeup, il y a Sabrina Mondin, je crois, je ne vais pas dire de bêtises. En fait, je fais un grand coucou à toutes les filles qui font partie
du réseau fermé spécial YouTube, mais enfin réseau fermé, pas beaucoup de monde peut aller dessus, c'est que si on est accepté. Donc c'est le réseau officiel YouTubeuse beauté. Donc toutes ces personnes-là, exactement, il y en a 69 personnes, je leur fais un grand coucou parce que je ne vais pas tous les énoncer. Voilà, ça fait une grande pub, hein. Je vous mens pas. Ensuite, il y a des personnes un peu plus connues, on va dire, de ma communauté, mais que je ne parle pas trop avec elles, mais j'ai déjà échangé des commentaires avec elles, ou elles m'ont répondu à des questions que j'apprécie, que j'aime bien regarder leurs vidéos. Il y a Kylie81, il y a Beinspired, qui est trop marrant d'ailleurs. Comment elle avait dit la boxe là, elle avait dit un truc, je sais plus. Fadi la boxe, ou je sais plus quoi, c'était trop marrant. Ensuite, il y a Amy Makeup Pro, comme d'habitude. Il y a aussi. Il y a deux framboises, mais deux différentes. Il y en a une qui était enceinte et que je pense qu'elle a accouché. J'ai hâte de la revoir. Elle a les cheveux très courts. Elle a même un dalmatien. Mais non, mais c'est pour détailler. Ma soeur qui est pétée de rire, qui se moque de moi. J'essaye de me dé. N'importe quoi. Et il y a Framboise qui est toujours d'actu et qui s'est coupé les cheveux récemment aussi. Donc ces deux framboises-là, il y en a une qui a un chiffre dans son pseudo et l'autre non. Je sais plus, enfin, c'est deux framboises différentes. Il y a Princesse Mimili, mais que je vois plus ses vidéos malheureusement, je ne sais pas pourquoi. Il suffit. Ensuite, il y a ma chouchoute parmi les petites youtubeuses qui s'appelle Miss Makeup, qui vient du Canada. Elle s'appelle Shelly Lavallée, mais son pseudo c'est Miss Makeup, je ne sais plus, que j'adore, mais qui nous a un petit peu quitté sur YouTube pour des raisons personnelles. Voilà, bref. Ensuite, il y a Uferaté, que je vois plus ses vidéos en ce moment, mais que je pense qu'il nous regarde toujours, qui regarde sûrement mes vidéos, qui je fais un coucou aussi. Oh là là, ma soeur a mis la déformation sur le MSN, donc son visage est déformé. N'importe quoi. Ensuite, est-ce que j'en ai d'autres? Bien évidemment, j'en ai beaucoup encore parmi vous. Je ne te vois plus, Sandrine. Je suis en train de regarder les personnes encore à qui je voudrais faire un coucou, mais les pseudos ne me reviennent pas là tout de suite. Parce que des fois, il y a des chiffres dedans, mais j'arrive pas trop à m'en rappeler en fait. Alors, j'aime bien aussi Diabolo Cerise. Il y a Official Lady Makeup. Chris, j'aime aussi. J'aime bien regarder ses vidéos. Il y a. Pas l'habitude, hein, quand c'est pas la souris. J'aime bien. Ah oui, Sarah Botification, qui fait partie des 5 un truc de vlog. Wikifew Collab, je crois, oui. Que j'aime bien aussi regarder. J'aime bien Christian. J'aime bien les 5 vlogueuses aussi. J'aime bien regarder 92 Makeup aussi, à qui que j'ai oublié de dire dès le début parce que j'aime bien vivre les pulpeuses. D'ailleurs, elle donne beaucoup de conseils et elle donne des bons plans pour les personnes qui s'habillent en grande taille et tout. Enfin, c'est vraiment génial. Ensuite, nous avons. Makeup Addict 57 aussi. J'ai entendu un bruit. C'est bizarre. Qui a lancé son concours qui s'appelle le concours éclair. Allez voir sa chaîne. Makeup Addict 57. 57. Dina Pinup. Une américaine qui s'appelle Heather 123. J'aime bien Julie G713. Bon, maintenant je fais plus des pubs pour les gens que j'aime bien aussi. Donc les number one sont déjà passés au début. J'aime bien Mystiquette aussi. Et en fait, quand elle fait ses vidéos, elle met un fond derrière elle. C'est jamais du vrai en fait. C'est toujours un fond différent. C'est vraiment fantastique. J'aime bien. J'aime bien aussi, oh là là, Encore Make-up. Qui fait des très belles choses. C'est un homme qui fait du maquillage, qui a créé sa ligne de cosmétiques et tout. Il y a aussi
Ah, Arthur 81 qui fait des trucs mais de ouf, de fou, pardon, des maquillages mais vraiment, c'est magnifique. Il y a Donati, j'aurais dû la dire dès le début, mais bon, je vais pas retenir tout quoi. Il y a, ça je l'ai déjà dit. Elsa Makeup aussi que j'aime bien, que j'aime bien, voilà. Et puis Morissette aussi j'aime bien. Ça fait déjà pas mal de monde hein, quand même. Je vais m'arrêter pour le moment. Ça fait déjà pas mal de monde. Il y a Kiros Fantasy mais aussi, voilà. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis. Allez voir les chaînes des personnes que je vous ai dit, c'est des personnes vraiment superbes, de super choses, ou bien qui sont super cool, super gentilles et tout. Voilà. Le temps est venu de vous quitter. Oh, putain. Voilà. Bon, je vous fais plein de bisous et puis à plus tard. Moi, je vais faire à manger pour mon chéri, puis voilà, bref. Salut.